Ce retraité de plus de 80 ans est contraint d'abandonner son logement après environ un demi-siècle à l'intérieur. En cause, la construction de la première ligne du métro urbain d'Abidjan. Les documents justifiant son titre de propriété n'ont pas pu éviter la démolition du bâtiment. Jusqu'au passage du bulldozer, il passe donc tous les matins faire son deuil et récupérer les derniers objets. Tout un souvenir de la vie qui s'envole. Les grands-enfants et tout ça, ils ont fait l'enfance ici. D'abord épargnés, des riverains supplémentaires ont appris par le bouche à oreille qu'ils étaient désormais impactés par la construction du métro. Un projet auquel ils ne s'opposent pas mais dénoncent un acte de vandalisme et revendiquent une indemnisation à la hauteur de leurs biens. Le PAR programme d'action et de réinstallation. L'action, voilà, ils ont cassé ce que vous avez vu. Mais avant de casser, le décret qu'ils ont pris a dit qu'ils n'ont qu'à nous installer. Ils n'ont qu'à négocier avec nous, ils n'ont qu'à nous réinstaller. C'est ce qui n'est pas fait. Pour le passage, nous sommes d'accord, nous avons dit. Mais si vous prenez nos biens, donnez-nous un bien, c'est la seule chose qu'on demande. Les enfants sont à l'école. Il n'a qu'à nous reloger. Comme lui, il est la solution. Je n'ai pas pied pour m'agenouiller. Je m'agenouille avec ma canne. Il n'a qu'à prendre pitié de nous. Suite à ces cris de détresse, la Société ivoirienne de la gestion du patrimoine ferroviaire a souhaité rassurer. Toutes les personnes seront prises en charge. Et en principe, nous aurions dû déjà terminer la libération des emprises. Effectivement, il y a de nouvelles personnes qui sont impactées parce que les études ont évolué, ont modifié légèrement le passage du métro, ce qui fait que de nouvelles personnes sont entrées en jeu. Et donc, nous leur donnons le temps de pouvoir partir. Une partie des premiers expulsés a déjà été reçue par la compagnie. Moi, je pensais que ça sera des années. Bon, ça n'a pas dépassé au moins un mois, deux mois. On m'appelle aujourd'hui et de venir prendre mon argent. Donc, je viens, j'ai signé, en tout cas, j'ai signé, on m'a donné tous les comptes. Ah, vraiment, je suis satisfait. La construction du métro urbain d'Abidjan sur 37 km de long devrait régler le problème de mobilité des Ivoiriens. Déjà, si 13 000 familles recensées, plus de 7 000 ont déjà été indemnisées. Ma Camara à Abidjan pour Africa News.